Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est avec vous Emmanuel Vilus di SMODismog, SMOD Baby, ou sous canal pour la qui c'est Negma on TV. Like et partagez et abonnez-vous à canal ça pour qu'on fasse ça. Je dis à nous pour parler de ça, monsieur a réglé en Haïti, je dis à qui relè drapeau noir et rouge là. Pour nous dire qui ça qui drapeau noir et rouge là, pour qu'on est-ce qu'il a tort ou bien il a raison? Est-ce que l'agir non j'en doit agir ou bien est-ce que l'agir non j'en pas doit agir et qui ça signifie? Juste lever un matin décider changer un drapeau pour un pays, qui ça signifie? Pour qu'a je réponse ça yo, nous pral entrer dans histoire avant, nous pral montrer côté et comment qui j'en pour qui ça toujours gain différence changement dans couleur drapeau pays. Avant même nous arriver dans 21 août 1791, n'a rappelé que terre ça qui relait Haïti a côté Haïti ça sorti. Haïti c'est l'autre prend ni Saint-Domingue, yo relait République Dominicaine jodi a, ni Haïti ou mettez ensemble, li té relé île d'Haïti. Haïti ça, li té écrit A Y I T I. Qui ça Haïti ça te signifie? Haïti ça te signifie île de montagne. Île de montagne. Qui est-ce qui te baille non avec territoire ça? C'est indigène yo qui t'a vivre les Taïnos, les indigènes qui t'a vivre sur territoire. Île ça, indigène yo t'a vivre dans île ça tranquillement, tranquillement, paisiblement, côté yo te vivre avec l'amour, en harmonie avec ça relé la nature. Avec l'apparition de Christophe Colomb en 1492, tout bagaille a changé. Il prend territoire ça, il nomme la colonie d'Espagne. Ou encore possession de l'Espagne. Ha! En pile bagaille a changé. Histoire nous a saute loin. Il vient prendre pays ça comme une exploitation de richesses. Qui était café, qui était l'or et qui était coton, qui était indigo. Là nous dit café, nous dit coton, on pas mettre loi non. Nous dit c'est petit bagage minime. Mais à l'époque tu gagne coton, café, cacao. Indigo qui te gagne même valeur que pétrole que n'a utilisé journée jodi a. Ça veut dire c'est pas sans raison les te vinn nommer d'Haïti la perle des Antilles. Tout là c'est pour montrer nous côté nous sorti qui fait côté nous sorti avec drapeau et français yo en pour nous venir prendre drapeau noir et rouge là, nous changer en bleu et rouge, nous virer noir et rouge, drapeau ça font paquet à aller venir. Mais tout à aller venir ça pas de sens, c'est de bon sens. Est-ce que je dis à bon sens j'ai fait là? Kounya, qui est ce monde qui premier payer pour casser? C'était Taïnos qui t'a vu sur terre, il était plus que 1 million qui t'a vu sur île ça qui te relé l'île d'Espagne, l'île d'Hispaniola ou encore île d'Haïti, yon île si yon terre qui entoure d'eau, li pote ko divise, ou tande, koun ya la, yon tellement vin ap exploite moun sa yo, fè yon tourne sa yo, li esclave la, et Christophe Colomb li même, lè li te débarqué, parce que objectif Christophe Colomb lè li te prè l'anbe, li ta prè l'anède, nou pa kon ki sa te trouble batol koman li te fè, li vin tombe nan Haïti. Kounya li pense le rivi en aide, li rele habitant qui t'a vivre sous terre yo indien parce que lui même li te gen objectif vision c'était pour l'Inde. Il t'a pas en aide. Et puis il était venu tomber sous Taïnos. Haïti c'était une terre qui pas existé dans cadre géographique là. Li pas existé aucun côté parce que il était une terre qui submergée. Ça veut dire c'était une terre qui était en bas de l'eau qui était qui montait. Ma bien pour me faire une deuxième vidéo pour me parler nous côté Haïti sorti côté le monté il pas placé dans carte géographique. OK? Taïnos ça qui était plus que 1 million qui t'a vécu sous terre qui pas bien pratique travail dit travail là t'es fait exploitation agent d'exploitation ça yo dans espace de 50 ans pas traité encore tout est fini mourir. Tout est fini mourir. Kounya qui ça passé? En 1697 Charles II qui était roi d'Espagne, li vin bay par roi de la France qui était Louis XIV, yon parti nan île la. Louis XIV qui c'est roi de la France vin occuper parti qui re nouri le Haïti kounya et puis Charles II qui c'est lui-même qui roi d'Espagne, li vin occuper
l'autre partie terre là qui c'est République Dominicaine. C'est ça que fait nous même nous venons héritier de colonie française, nous venons qu'est-ce que nous parler français et puis moun et République Dominicaine nous même yo parler espagnol. Mais yo te prend indépendance yo bien avant nous. Bien avant nous et yo te même bay pays sa yon nom. Li pa prele ses domaines. Li te rele Haïti espagnol là yo te commencé pratiquer langue. Ça veut dire c'est toute histoire tout moment ça yo nous pote ko gen drapeau nous pote ko consacrer les yon peuple uni nous té uni nous té en amour dit mais les nous vinn mélanger les premiers habitants yo fin mourir koun y a vinn gen division ça vinn fait là koun y a qui ça régler pas gen monde qui pou travailler la terre encore qui ça va passer koun y a yo vinn tomber non bagay yon bet noir pi gro bet noir ki te genyen pou africain yo li te rele le bateau négrier. C'est bateau ça qui t'a cherché esclave en Afrique bote yo pa pile pa paquet entre la caillou prend yo bat yo prend garçon prend femme depuis c'est moun ki ka travail moun ka madame ki te famille ki te petite sœur cousine mari yo tan pou bet pou yo mené yo en Haïti et au sein de même pour vendre ta coubette. C'est tout chemin ça on a passé pour arriver dans drapeau pour même je dire. M'oblige à prendre histoire comme ça pour nous parce que objectif histoire c'est pas histoire d'Haïti, c'est histoire pour arriver dans drapeau noir et rouge je dis à que Moïse Jean-Charles veut établir. Nous pas voir qui contexte si contexte bon est-ce que contexte pas bon, qui ça nous doit faire nous-mêmes, comment nous doit camper nous-mêmes peuple haïtien quel que soit côté dans le monde. Après esclavage que yo fin quand tout nèg yo en Afrique yo mené yo vin travail du blanc yo yo pa bouke violé belle ti négresse nou yo belle ti tete doubout nou yo yo pa bouke violé yo yo te vin faire en pile petit avec yo yo te vin rele petit sa yo des mulat. Mais mulat sa yo yo pa nan reste tout avec esclave yo avec moun ki nou wè yo même yo c'est noir tout parce que yo gen sang africain k'ap coulé nan vin yo mais yo pa dans griyen avec nous côté mot qui relie liberté à égalité fraternité à pas commencer c'est pas esclave qui t'a commencé il commençait avec des mulats qui dit qui en fait eux même eux pas ca ju même droit même privilège avec blanc ça t'a commencé en France parole là t'a commencé à parler kounya esclavio te commencé mettre dans tête yo yo ka vin libyon joutou si milat yo ka mande ça yo même yo ka vin mande le tout yo vin commencer entrer dans ça yo rele maronage gen pile esclave qui vin maron là yo pre yo couper pointe yo couper bras yo yo touye yo fait tout style de bagarre avec yo mais tout ça qui t'a passé yo c'était et en France côté gros réunion t'a fait pour que son liberté des mulats. Mais qu'on y a là, les bateaux à rentrer sorti pour tes marchandises et mercadorie à sortir à Haïti, à la France, à l'Espagne. Y a expliqué esclaves qui sous terre, mais ça cap passer la France, mais ça cap parler dans journal, mais ça cap dit que mulats ont besoin de liberté. Idée liberté à seulement, t'es tellement dangereux. Y a tant d'esclaves à parler ça seulement. Ou t'es déjà cadavre. Vraie lutte esclavio, li commence 21 août 1791. Et lutte ça, li pote ko jamais yon lutte contre indépendance. Li te seulement yon lutte pour yon ka sorti nan esclavage. Pour yon suspend travail pour moun, pour yon suspend pour bâton, pour yon te libre même ja tout moun. Mais comment révolution ça te commence? C'est dans chaque clan. Dans chaque champ yo dans chaque zone différent vinn gen ti groupe k'ap kanpe révolution an konnya yo vinn di kèt pour nous prendre révolution ça tout bon nous doit uni yo nous doit uni nous c'est là le commencer joindre ça relé union an. Yo doit uni yo et puis yo di pour nous uni nous faut que nous gen uni nous derrière un chef faut que nous gen un guide. Yo tout yo ini yo des gros taureaux ça qui c'est Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture lui-même après yo fin nommé mi c'est comme chef qui pou mener bataille là. Lui-même tout jusqu'à présent li pa trouwe idée
liberté, idée, indépendance. L'été ouais idée pour y mettre tout le monde libre, même gens que esclavioté, ouais, il était pensé, il pas pensé plus loin passer esclave. Au contraire, lui-même était bien content parce que lui-même était toujours considéré comme un général de l'armée française, comme un empereur, comme un grand de l'armée française. Il pas jamais voulu pour Haïti t'a détaché vraiment de la France. Ça veut dire, monsieur pas jamais venu à l'idée pour te changer de drapeau ou bien pour te gagner de drapeau pâle. Il était toujours gourmé avec même drapeau français, contre colonie française, qui c'était bleu, blanc, rouge en vertical. Bleu, blanc, rouge qui était marqué RF et puis qui était un symbole dans le mitan. Il était gourmé à français avec même drapeau français encore, ça veut dire pour que j'aime venir dans l'idée pour changer de drapeau. En bas, ça finit arrivé. Qui ça vient arriver? Monsieur perdit bataille. Yo prend monsieur, il arrête il, yo mène en France. Qui est-ce qui était après elle qui vient remplacer? C'était Dessalines. Après Dessalines, tu as Alexandre Pétion. Alexandre Pétion qui était un général sérieux, qui était un militaire tout pour nous bien dire, mais son qui était étudié, qui était apprendre, qui était formé, c'est pas n'importe qui était derrière Dessalines. Côté drapeau après changer pour la première fois. Qui ça Dessalines te fait? Dessalines seulement retiré RF là dans drapeau français avec tifleur, li quitte même drapeau, même TB de plat, même terrain, li vinn camper en face l'armée française, l'armée coloniale. Premier gros bataille qui était faite, c'était 1er décembre 1802. Bataille ça t'est faite dans la plaine du cul-de-sac. Côté l'armée et Dessalines, qui est-ce qui était en tête li? Premier changement qui était réalisé dans le drapeau Haïti, dans toute histoire, c'est Dessalines qui était tiré RF là avec tifle dans le drapeau français. Mais j'ai noté déjà qui était même drapeau, même TB de plat, B de plat, même ZB de zip là, même genre. Il était premier, il était à contre-carré l'armée coloniale là, l'armée française, qui était dirigée par Gilbert Gérard. Qui est-ce qui t'a dirigé l'armée Dessalines? C'était Pétion. C'était 1er décembre 1802. 1er décembre 1802, ça ti moun. En pile gros grand moun a gade tout, nous pas mande m parole. Nèg sa ou tellement pran chaplette. Dessalines volé, Pétion volé à chaplette. Yo kouri ale. Yo bay l'ordre pour replier. Parce que c'était un paquet de formes tactiques militaires qui ont boumé en bonne rara. Vous comprenez? Nèg sa ou pran chapelet pour pas chaper, nèg sa ou kouri à ta drapeau, yo kite, yo kouri, yo kite drapeau à te. Kounya sa l'armée française a fait, yo pran drapeau ti monsieur sa yo, et puis yo même, yo fon meeting, yo fon grand conférence de presse, yo di yo genye l'armée nèg yo, yo tellement pran chapelet, yo kouri, yo kite drapeau yo à te. Mais Pétion lui-même qui était toujours gagné de changer de drapeau, hein, comme on est éclairé, changer directement, il fonçait là à l'écoute de Dessalines. Après article fin publié sous chapelet nèg yo prend la peine du kil de sac et Pétion vient tomber sous journal. Li courir là et dans petite rivière de la Tibonite dans quartier général et empereur là Dessalines, il dit mais comment y a vandalisé nous? Il est dit en jodi a pour nous créer propre drapeau par nous, pour nous gain propre drapeau par nous. Dessalines qui ton nèg qui était bossal, qui était agi, qui son nèg qui était brutal, vous comprenez? Il prend drapeau qui était gain bleu, blanc, rouge là, il rache blanc dans drapeau et puis il baille deux l'autre morceau, il ba fiel li Catherine Flon coude drapeau. Drapeau ça te coude bleu rouge de façon verticale. Drapeau ça te symbolise l'union des noirs et des mulâtres contre l'esclavagisme colonial. Kounya la nous gè drapeau. Nous gè drapeau. Ke Pétion content pour ça. Ça Pétion fait. Pétion marché côté tout grand mulâtre li konnen yo qu'il doit qui d'accord pour révolution en fait. Mais qui pas jamais voulait pousser Dessalines qui était en tête révolution.
li marché par li yo, li di bon, de sa li nou kampe yon nouvo drapo. Sa son gros sin a l'epok, paske pat gen moun ki te gen ide sa, pense sa, pou te vin chanjon drapo jounen jodi a. Vous comprenez? Le yo di de sa li chanje drapo a. De sa li kampe kom etan chef. Sa vle di nou tout mila, tout noua, nou dwe in marabou, kel ke swa koulo ye ya. Men, e pa blan, moun ki te yore le metis, yo te yore le milat, ki te kon a fe stil sou neg, yo tou repren. Yo di nou tout, kel ke swa koule pou ye, de pou fe pati de lit sa, ou dwe koubo de el do de salin. Si se pa sa, wap gen pil problem, de pou pa de salin ou kont de salin, epi de pou kont de salin, wap gen pil problem. Yo realize yon kongre. Kongre sa te komanse 14 Mei 1803, li fini 18 Mei 1803. Pendan tout dire kongre sa, yo tap panse yon sel bagay. Yo tap panse taktik de gyer. Koman yo pral bat la me Napoléon? Koman yo pral bat superpower sa? Ou kompren? Yo tap panse avek taktik. Anbe de salin vini li pran drapo a, li ekri la dan liberté ou la mort. Vous comprenez, yo vin entrer avec sacré li liberté ou la mort, yo nommé Dessalines empereur. 29 novembre 1803, la mé Dessalines nan balayé mezisé blanc français qui te existé sur territoire. Balayé sablé ouzé. Yo remet bâton yo te prend son jégué côté, bâton yo te prend la plaine d'Ikil de sac là. Vous comprenez, yo déclaré tête yo indépendant depuis 29 novembre 1803. Mais, yo te rete pou yo fete le 1er janvier. Yo te rete pou yo fete le 1er janvier. Mais depuis 29 novembre 1803, yo te getan, peuple a te getan libre. Yo te vle commencer avec un nouveau année, un nouveau pays, un nouveau respiration, un nouveau espoir. Dessalines continue pour le frapper. Le 20 mai 1803, Dessalines vient avec une nouvelle constitution. Nous avons un nouveau pays, nous venons avec une nouvelle constitution. Constitution ça qui prend le nou drapeau noir et rouge. Ça, qui moi et Jean-Charles a parlé de lui là. Drapeau noir et rouge, ça, c'est constitution ça qui t'a pas nommé ça, de te considérer comme étant premier drapeau nous, parce que c'est constitution même qui te bail drapeau ça, et constitution ça tout te nommé et Jean-Jacques Dessalines empereur Jacques Ier. Comprendre qu'on a pas gagné rel, pas gagné gros rel. Le 17 octobre 1806, Jean-Jacques Dessalines assassiné. Yo tye jenom nan, yo tye militant, yo tye tèt pasant la. Kounye a peyi a pral divize. Nou pral rentre nan sakre le division. Nou vin jwenn le roi Christophe ki te pran nor peyi a. E pi Pétion li menm li te nan res peyi a ap dirije. Tout epòk sa yo, menm drapo sa yo, malgré peyi a divize, menm drapo noy ou sa, te sou tout territoire te valable. Mais on connaît que depuis gen division, gen goumen gen guerre. Konya vin gen sa rele la bataille de Cyber. La bataille de Cyber li même c'était entre roi Christophe ensemble avec Pétion qui te vin en face konya ou kon pays a te vin divisé. Yo vin ap goumen. Yo vin en face ap goumen ensemble avec même drapeau. Drapeau noir et rouge nan men sa, drapeau noir et rouge nan men sa. Sa même bagaille qui te rive et Pétion en face et Colon français yo li vin rive là en face roi Christophe kounya sa vin passé tout Pétion li même li toujours gen a passé li di l pral changer drapeau noir et rouge là la viril bleu et rouge nou commencé nan mondan sa nou commencé nan changement de drapeau kounya Pétion et roi Christophe lui-même il vient rester avec drapeau noir et rouge non parti pays a et puis lui-même et Pétion lui-même il vient en tourner avec ça relique bleu et rouge là qui genre drapeau ça a été disposé
ni de kan sa yo peyi a te divize an de, tout de drapo sa yo te de fason vertikal yo pat horizontal. E chak peyi sa yo nou dou yo te gen drapo pa yo. Avek la mor de wa Christophe, ou kompran, peyi son fè fèt, peyi son chanje drapo peyi an antye an bleu e rouj e vertikal la tout peyi a, vin kounye a vin gon sel drapo, bleu, rouge, li etire noa. Men, apre 1820, nou pral vin gen drapo horizontal ki gen rouge e ki gen bleu e rouge la, ki pral vin fi e vin rete la pou un paket boutan, ki vin nou vin gen avek Jean-Pierre Boye, se pa ninek sa ou, Jean-Pierre Boye vin chanje nan kout pal, li viril, li vin ba nou yon drapo nou gen jodi a. Nou te ka di tou nou gen drapo sa gras a Jean-Pierre Boye. Drapo a vay chanje toujou malgre ble ou rouge la jiska prezan rete. Men ki sa vin pase an 1957, François Duvalier di FD elu prezident de la République d'Haïti. 9 mwa plu tan, gen de seri de milat ki soti aux États-Unis, milat haïtien, yo vini fè yon meeting pou yo jete François Duvalier. François Duvalier fâché, l'estomaké, li di l pral voye yon mesaj très fort ba ekip sa. Li chanje drapo militaire peyi a en noir et rouge. Li chanje drapo militaire. C'était en bas général Maurice Périclès Flambert. C'est pas drapo peyi a non, di drapeau militaire, drapeau l'armée d'Haïti. Duvalier continuait pour la frapper. Le 22 mai 1964, il changeait de drapeau pays à même complètement en noir et rouge. En noir et rouge, drapeau de Salines, il tournait. Il changeait en noir et rouge. Il fait 29 ans. Pendant tout 29 ans ça, c'était seul drapeau ça qui était gagné. Eh bien, drapeau a pas changé toujours. En 1986, après le départ de Duvalier, peuple haïtien décide de changer drapeau, il vient tourner en bleu et rouge. Mes chers amis, mande ou même qui t'a regardé vidéo ça pour mettre un like, pour partager et puis plus important pour quitter commentaire. Pour dire nous qui sont pensés après le rafraîchissement mémoire ça vient faire pour nous là. Avec état critique pays nous yé jodi a qui message ou t'a porté sou même ou t'a gon conseil. Premièrement, est-ce que c'est ça qui solution pays a, nan ki but, nan ki objectif, et combien moun ki compte, combien moun ki pou ça ka fait là? Parce que révolution ça ka commencé ba même tout m'ta reme comprendre, nous même ka garder l'autre reme comprendre. Like, partager vidéo ça, abonne-toi à la chaîne ça qui c'est Nekman TV si vous faites ça. Moun ki a voilà c'est Emmanuel Villuis di SMO Gismo. Ciao ciao.